Bonjour à tous. Je suis élève de physique-chimie, en l'occurrence chimie, qui s'adresse aux premières et terminales. Pour l'opération, j'ai une assistante qui est un petit peu pressée. Je vous la présenterai plus tard, c'est ma fille. Elle s'appelle Alice. Elle va commencer par mettre l'eau à un même niveau, l'eau d'un Brita. Stop, bravo ma puce. Maintenant, dans un autre verre, elle va mettre de l'eau du robinet. Pour que les choses soient comparables, elle va mettre le même niveau d'eau. Bravo ma puce, t'es sûr que le niveau est le même? Non. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Elle a identifié ses récipients. Maintenant, attends ma puce, j'explique. Moment, Alice. Yet. Maintenant, on va passer, donc, on va faire un test. On va voir quelle est l'influence des différents types d'eau en termes d'efficacité du détergent. On ne s'est pas embêté. On a pris un savon. Elle va donc tester la même quantité de savon dans le premier. Voilà, c'est celui-là. Donc elle prend une quantité identique de savon avec une cuillère identique. Hop, elle va faire mousser dans l'eau du robinet. Allez, vas-y fort, correctement. Allez, vas-y fort. Vas-y fort, fort, fort. Vous voyez, c'est pas très efficace. Elle va rincer son verre. Excuse-moi, j'ai oublié de te préparer de quoi rincer. Tu me donnes ton assiette, ton truc. Ouais. Je rince pour elle. Voilà, c'est rincé. Allez, assistante, reprends la même quantité de savon et fais la même chose dans le Brita. Allez, fort, fort, fort. Vas-y, plus fort. Voilà, stop, tu montes. Je vous laisse comparer. Vous voyez qu'il y en a un qui a beaucoup plus moussé que l'autre. Oui. Mon assistante va vous poser la question. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Quel est différent entre l'eau de la Brita et l'eau du... Attention Marceau, et l'autre eau. Pourquoi